Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, praticienne et enseignante de la flamme violette, passeuse d'âme, et je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir. Mais comme vous le savez, eh bien oui, je ne suis jamais seule. Vous avez l'équipe de choc. Vraiment. L'équipe de choc qui est présente pour vous actuellement. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Comment mieux faire connaissance avec nos consultants et consultantes? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique 3 fois W. Parlez-moi d'avenir.tv, tout simplement. Et là, vous aurez à votre disposition tous les renseignements concernant les consultants et les consultantes à votre disposition. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Qu'est-ce qui pourrait aussi vous aider à avancer sur vos chemins de vie? Avez-vous peut-être une petite idée? Moi, je pense qu'éventuellement un petit concours peut vous aider aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit concours qui est très très facile, très simple à activer. Est-ce que vous possédez un portable, un attel? Alors là, rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique Messages, de composer le mot TVM3, TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. C'est très simple. Rien qu'en appuyant et hop! Vous êtes déjà paré pour le tirage au sort. Et si vous gagnez, mais ça j'en suis plus que persuadée que vous allez gagner, vous gagnez votre tirage au sort. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir gagner une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. C'est pas un beau cadeau, ça? Alors, activez-le, ce beau cadeau. Pour les personnes qui n'auraient pas de portable, pas de Natel, eh bien, persuadez qu'à la maison, on a tous et toutes du papier, une enveloppe. Ça peut se trouver. Sur le petit bout de papier, vous allez simplement notifier votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Ben oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions et vous envoyer tout ça à concours TVM3, case postale 285 024 Écublens. Très simple, non? Alors allez-y, activez-le, ce petit concours. Et qu'est-ce qui pourrait aussi vous aider ou aider peut-être une personne de votre entourage en lui faisant petit cadeau? Ah, si je vous disais carte, carte, carte prépaie, mais oui, nos petites cartes prépaies, elles sont toujours présentes et elles sont toujours à tarif préférentiel. Et oui, donc n'hésitez pas aussi à les acquérir, ces petites cartes. Comment? Très simplement. Vous désirez acquérir la petite carte là tout de suite. 3 fois W, parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, vous avez la possibilité d'acquérir tout de suite votre petite carte. Ou alors, vous ne savez pas trop, vous n'avez pas Internet. Là, pas de problème. Vous attendez les heures d'ouverture des bureaux. Et là, vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment pouvoir acquérir ces petites cartes prépaies. Ça, c'est aussi quelque chose. Il faut vous procurer ces petites cartes. C'est pratique parce que, voilà, il nous arrive un petit souci sur notre chemin de vie. On a une hésitation. Ah,
Tiens, j'ai deux opportunités qui s'offrent à moi maintenant. Ouh là 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 là, mais laquelle est-ce que je vais choisir? Mon Dieu, j'aurais jamais pensé que deux opportunités pareilles s'offriraient à moi sur mon chemin de vie. Et les deux opportunités ont l'air pas mal. Oui, mais je vais prendre laquelle? Si je prends celle-là, c'est pas mal, le salaire est bon. Si je prends celle-là aussi, et on va cogiter. Et si par hasard on appelait un consultant, une consultante et on posait la question, ça peut toujours aussi vous aider, vous rassurer aussi dans votre choix, juste tout simplement pour vous rassurer aussi sur votre choix. Ça, c'est aussi important d'être rassuré, de voir que voilà, bah oui, vous prenez la bonne décision, c'est ce qu'on vous indique sur votre chemin de vie. Donc voilà, être un petit coup rassuré, tout simplement. Qu'est-ce qui peut aussi vous faire du bien? Moi, je pense que j'irais peut-être ouvrir les portes de notre boutique où là, on peut se faire des petits plaisirs qui font du bien à l'âme, au cœur, à l'ouverture à notre spiritualité, tout simplement. Se faire du bien aussi à soi-même sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et cette boutique, on va l'ouvrir ce soir avec deux nouveaux articles. Voilà, je vais aller chercher les petits documents qui correspondent à ces deux nouveaux articles hein, qui sont arrivés dans la boutique, hein, qui s'agrandit de jour en jour. Alors là, nous avons comme premier article un tour de cou protection angélique triple 7. Ah, nous allons vous montrer les images. L'un est doré et l'autre est strassé, magnifique et argenté. Mais ils ont tous les deux les mêmes vertus et les mêmes protections. Voici ce que ces tours de cou triple 7 vous apporteraient. On dit que le trio du chiffre 7 est un nombre puissant et sacré, bien sûr, qui a été vénéré tout au long de l'histoire pour sa signification spirituelle. Il représente la perfection, l'achèvement et la réalisation divine. Dans de nombreuses traditions religieuses, le chiffre 7 est associé au divin, à l'infini et au mystère de l'univers. Dans le christianisme, le chiffre 7 est souvent associé à la création du monde par Dieu en 7 jours. Mais oui, cet acte de création est considéré comme une manifestation de la puissance et de la sagesse de Dieu. Et le chiffre 7 est donc considéré comme un symbole de complétude et de perfection. En outre, les 7 péchés capitaux, les 7 vertus et les 7 jours de la semaine sont autant d'exemples de la manière dont le chiffre 7 est utilisé pour véhiculer des concepts moraux et spirituels dans la tradition en général. Dans l'hindouisme, il existe 7 chakras ou centres d'énergie dans le corps humain. Chacun correspond à un aspect différent de la conscience humaine. L'arc-en-ciel aussi, eh bien oui, compte également 7 couleurs qui représentent les 7 aspects de la lumière. En musique aussi, les 7 notes sont censées avoir des propriétés curatives lorsqu'elles sont jouées ensemble. Le bouddhisme enseigne qu'il existe 7 facteurs d'éveil: la pleine conscience, l'étude des phénomènes, l'énergie, la joie, la tranquillité, la concentration et l'équanimité. En outre, il y avait 7 merveilles du monde antique et 7 corps astraux visibles à l'œil nu: Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Le chiffre 7 nous rappelle notre lien avec quelque chose de plus grand que nous, l'infini, le mystérieux. Lorsque le triple 7 apparaît dans notre vie, il nous invite à nous connecter à notre moi intérieur et à explorer la profondeur de notre être. C'est un rappel de l'importance de notre croissance spirituelle et de l'éveil de notre conscience. Le triple 7 est également considéré comme le symbole de chance et d'abondance. La suite des chiffres 7 est souvent associée à des situations favorables.
et à des opportunités qui se présentent à nous. C'est un signe encourageant que nous rappelle de rester ouverts et réceptifs aux merveilles de l'univers. Dans le domaine des relations, le triple 7 symbolise harmonie et la connexion profonde. Cela encourage l'amour inconditionnel, la compassion et un cœur ouvert. Cela nous rappelle que les vraies relations reposent sur la confiance, la communication et le respect mutuel. Sur le plan personnel, le triple 7 nous pousse à suivre notre intuition et à écouter notre voix intérieure. Il nous invite à nous livrer à des activités de méditation et de contemplation pour accéder à la paix et à notre sagesse intérieure. En résumé, le triple 7 est bien plus qu'une suite de chiffres. C'est un symbole puissant qui unit nos esprits, nos âmes et nos cœurs. Cela nous rappelle d'embrasser la chance et l'abondance et de vivre pleinement le moment présent en harmonie avec la magie divine de l'univers. Donc ce tour de cou angélique, triple 7 doré et strassé, est à 20 francs plus les frais de livraison et le tour de cou protection angélique triple 7 argenté, lui, est à 18 francs plus les frais de livraison. Voilà, nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle, vous allez bien? Oh, bonsoir, ça va et vous-même? Bonsoir. Oh, moi, ça va pas du tout. Non. Et non, pas du tout. Oh là là, que se passe-t-il? C'est mes enfants, donc, surtout mon fils. Oui. Donc, je m'arrête que vous regardiez un petit peu, parce que là, ça va pas du tout, du tout. Oh là là. Oui, je ressens beaucoup de lourdeur, hein, actuellement pour lui. Oui, trop. Il est un peu perdu, il sait plus ce qu'il se veut, il sait plus où il veut aller. C'est vrai. C'est juste, hein? Oui, non, mais là, il est dans un très mauvais état et je m'inquiète. Alors, on va penser à monsieur. Alors, moi, j'ai les coordonnées. Vous pensez à lui et un stop quand vous le D'accord. désirez. Ok. Stop. Merci. Alors, beaucoup de courage, hein? Mais il reprend le contrôle petit à petit, hein? C'est une période. On me dit c'est une Ah période ouais? comme ça. Là, on a la carte. Regardez dans le tirage. Il y a la carte qui reprend le contrôle. Il y a la carte justement, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, comme on le disait, la carte Oui. du courage qui est présente. Et on voit justement que il y a la carte de l'épanouissement. Donc, il va reprendre pied. Il va reprendre Ah pied. oui. Oui. Ah, ok. D'accord? Là, Ah, on parce est que là, elle encore dans le m'inquiète. tirage. Je tire encore deux cartes. Regardez, le rêve. Donc, ce qu'il désire, il va l'obtenir. Et il y a la carte de la guérison. Ah, d'accord. Ah, oh, Dieu merci, Christophe, vous êtes un ange. J'ai toujours dit. Si. Merci. Merci. Wow. Oui. On va Bon, le je vais mettre sous la profiter flamme pour violette, moi. hein, si vous le désirez, si vous le permettez. Oui, D'accord? avec plaisir. Oui. Alors, je vais juste prendre note, comme ça, dès que l'émission est finie, je le mets sous la flamme violette ce soir, hein? D'accord. D'accord. Voilà. Même les canaris sont d'accord. Ah Oui. bon? Vous Ah, les c'est entendez super. derrière ou pas du tout? Non. Oui. Oui. Ah Oui. oui. Ah Voyez. oui. Voyez, ils Ah, sont ça fait d'accord. plaisir. Ah, d'accord. Yeah.
Est-ce que je pourrais profiter? Par contre, j'ai pas donné son prénom à elle, à ma fille. Oui. Mais ça commence par elle aussi. Elle a. Oui. Elle est de 26 février 93. Trois, oui. Oui, c'est à peu près aussi la même question. Est-ce qu'elle va réussir à redémarrer, à trouver un appartement et à faire une Alors, petite vie qu'elle mérite? parce qu'elle aussi, elle est un peu perdue en ce moment. Complètement. Oh là là, bah dis donc, c'est du lourd. Ah oui, non, je vous ai dit, c'est vraiment lourd, lourd, lourd. Oui, le mois de novembre, hein, c'est pas un mois facile à traverser, hein. Non, mais là. Alors, on va penser à elle et le stop quand vous le désirez. Merci. Alors, elle, il lui faut plutôt se reposer, hein, parce qu'il y a une grande fatigue à l'intérieur d'elle. Hein. C'est vrai, ouais. Elle est à Grande, bout. grande fatigue. Faut qu'elle fasse Ouais. attention à elle. Hein. Grande Ok. fatigue, mais on voit aussi que si elle le désire, mais il faut un peu de patience, parce qu'il y a la carte de la patience hein, qui sort. Et là, la carte qui sort juste après, hein, c'est... Regardez bien le ralliement avec le créateur. Donc, ça signifie simplement dans son tirage que si elle, elle le désire, elle a toutes les cartes en main pour obtenir ce qu'elle veut. D'accord. D'accord? OK. Il y a un déménagement prévu pour elle aussi. Elle cherche vraiment, oui. Elle Il y a... cherche beaucoup parce que là où elle est, elle a peu plus. Alors justement, il y a un déménagement de prévu. OK. Et elle va trouver quelque chose. C'est quelque D'accord. chose... Tiens, c'est quelque chose... Il y a le grand soleil hein, qui sort pour le déménagement là. Mais comme on me dit, c'est quelque chose ou un endroit qu'elle serait déjà allée. Dans son passé, Ah, l'endroit qu'elle d'accord. va trouver, c'est un Oui. endroit où elle aurait déjà passé, où elle aurait déjà quelque chose, l'endroit lui rappellera quelque chose de son passé. D'accord. Je sais pas si ça peut OK. vous aider. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais c'est ce qu'on me dit Oui. dans le tirage. Hein? Oui, je pense bien que oui. C'est Alors, vrai qu'il y en et... a un endroit où elle a beaucoup aimé habiter, c'est vrai. D'accord. Alors, c'est un endroit où elle va se sentir très bien. Très, très, très bien. D'accord. Parce que justement, c'est un endroit qui se ramène à son passé, à quelque chose de son passé. D'accord. OK. Ah, je m'ai rassurée Ah ben, énormément. je suis contente. Je suis contente. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous ce soir? Ah, si je pourrais avoir un petit message de là-haut. Ah ben, bien sûr, il suffit de demander. Ah, vous êtes un amour. Alors, on va aller chercher le message de là-haut. Hop, je prends la petite boîte. Alors, je vais mettre vos propres énergies à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Semble que j'ai pas la petite boîte. Ah, comment ça se fait ça? Oh oh. Ah oui, elle est là.
La petite boîte aussi hein, que vous pouvez trouver dans notre boutique, hein, la Oui. fameuse petite boîte de l'oracle de l'au-delà, il est extraordinaire, hein, ce petit oracle. Il délivre aussi de très très beaux messages. Et là aussi, Oh. j'aimerais vous délivrer un message de cette petite boîte, de cette D'accord. petite boîte magique. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord déposer les cartes de notre petit oracle que vous pourrez trouver dans notre shop. Je les dépose D'accord. les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. OK. Stop. Alors, hop, le message, il est là. Ensuite, je vais prendre les messages de l'au-delà pour vous ici et maintenant. Alors là, j'ai bien mis votre énergie à l'intérieur du jeu. Je vais aussi déposer les cartes les unes après les autres. Et là, j'aurai besoin de quatre fois le mot stop. D'accord. Quand vous le désirez. Stop. Une fois. Stop. Deux. Stop. Trois. Et le quatrième. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ce soir depuis là-haut? Il faut recommencer le petit tirage de l'oracle de l'au-delà parce que vous avez tiré le message du créateur du jeu. Donc, ce n'est pas un message qui vous est délivré, il faut que je la retire. Faut que je la retire du boîtier. C'est l'adresse et puis le créateur de. Donc ça va pas beaucoup beaucoup vous aider à mon avis, hein. non. Alors, je reprends le jeu, les petites cartes de l'oracle que vous trouvez dans notre boutique et je repose. D'accord. Quand vous le OK. désirez, un stop. Voilà. Cette fois, vous aurez votre message. Ce sera plus une adresse. Alors, la vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison. Juste l'occasion d'être heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Wow. Et v'lant dans les dents. C'est vrai que j'avais marqué une croix dessus, mais bon, demandez si gentiment. Voilà. Alors, les messages de l'au-delà maintenant. Je suis présentément dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Mais je ne vous oublie pas. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines, tes petits soucis, lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil. Je suis toujours là, à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Troisième message.
Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Alors, merci de penser à moi. Ah, c'est bien ce qu'il dit dans la carte, hein, dans la carte qui vient de vous être lue. La dernière carte, le dernier message confirme, pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Wow. C'est fort, hein? Ah oui. Ah oui, non, ça correspond tout à fait avec chaque personne que j'ai choisie pour les tirages. Mon C'est fou, papa, ma hein? maman, ma soeur et mon petit frère. Voyez. Chacun, il a parlé exactement comme ils auront parlé. Ouais. Ah ouais. Comme quoi, ils sont toujours là. Ils veillent sur nous. Oh oui. Oui. Ah. Merci infiniment, Christelle. Vous êtes vraiment exceptionnelle. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai Je vous répondu souhaite à tout. toutes vos questions? Oh oui, vraiment oui. Ça m'a Magnifique. vraiment rassuré tout ça. Ah ben je suis Je vous souhaite ravie, j'en suis. plein de bonnes choses pour votre avenir. Plein, plein, plein de bonnes choses. Merci. Merci. Pour Merci vous beaucoup, aussi. Christelle. Pour vous aussi. Merci. Merci Prenez beaucoup. soin de Je vous vous. embrasse. Moi de même. Merci, Christelle. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. À Avec bientôt. plaisir. À bientôt. Belle fin de Merci. soirée. Au À revoir. vous aussi. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et consultantes actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Et vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit ange gardien personnel, votre guide. Ça va être lui qui va vous guider vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc, n'hésitez pas aussi à essayer, à tester ce chiffre 3. On était dans la présentation de notre boutique hein, sur www.parlezmoidavenir.shop. Et là, un nouvel article vient d'arriver hein, dans cette boutique. Il y a un très bel article, pas n'importe quoi, puisque c'est un pendule sphérique opalite. Il est magnifique ce pendule. Le pendule sphérique opalite est bien plus qu'un simple outil. C'est une porte vers un monde passionnant de découvertes et d'alignement énergétique. Avec sa sphère en pierre véritable d'opalite, ce pendule deviendra un compagnon précieux pour celles et ceux qui souhaitent explorer les mystères de l'énergie vibratoire qui nous entoure. L'opalite, avec son éclat doux et brillant, est connu pour favoriser la clarté mentale, l'intuition et l'harmonie émotionnelle. En choisissant un pendule en opalite, vous intégrez ses propriétés dans vos recherches et créez une synergie efficace entre la pierre et les fréquences vibratoires que vous explorez.
La forme sphérique du pendule ajoute une dimension unique à son utilisation. La sphère symbolise l'unité, l'équilibre, agissant comme un canal parfait pour canaliser et interpréter les vibrations énergétiques. En tenant doucement la chaîne du pendule, vous vous connectez à une énergie subtile, permettant à votre intuition de guider le mouvement du pendule. Que vous soyez praticien, expérimenté ou débutant curieux, ce pendule sphérique d'opalite vous offrira une expérience de radiesthésie pour la divination ou la recherche. Il deviendra une extension naturelle de votre être, vous permettant de naviguer facilement entre différentes énergies et de répondre aux questions les plus profondes de votre esprit. En bref, le pendule sphérique d'opalite est bien plus qu'un simple outil de divination. Il incarne la beauté, l'équilibre et la sagesse et vous invite à explorer les dimensions invisibles de l'univers avec grâce et foi. Laissez la douce lumière de l'univers, la Terre, vous guider. Que chaque vibration soit une danse harmonieuse avec les forces subtiles qui vous entourent. Donc, ce magnifique pendule vous est proposé pour la modique somme de 23 francs plus les frais de livraison. Donc, c'est petit cadeau, ça, hein? C'est vraiment petit cadeau. Moi, je serais vous, j'en profiterais très, très, très vite. Donc, comment passer commande? Eh bien, soit vous allez directement sur notre site, www.parlezmoidavenir.shop, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux, et là, eh bien, vous composez le 021 694 24 00, et vous passerez commande auprès d'une charmante personne qui se chargera de l'envoi directement et rapidement, hein, parce que les envois se font très rapidement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller parcourir hein, notre boutique sur www.parlezmoidavenir.shop. Mais là, tout de suite maintenant, si on s'accordait notre première page de publicité, moi je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement, hein, juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Mais là, un tout petit moment et vous aurez aussi la possibilité d'avoir une consultation. J'en suis plus que persuadée. Alors, on va commencer notre soirée comme je le fais en général, hein, par un petit tirage. Et ce soir, je suis allée vous chercher l'oracle de la sagesse universelle. L'oracle de la sagesse universelle. Donc, on va déjà brasser toutes les cartes pour changer l'énergie dans le jeu. Et pensez à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ici et maintenant. Et voilà, on va prendre une petite carte qui sort ce soir. Elle est très belle. Alors, la carte qui sort ce soir est la carte du cœur rêveur. Le cœur rêveur, qu'est-ce qu'elle veut signifier cette jolie carte du cœur rêveur? Alors, on va aller voir la signification de cette carte qui est sortie pour vous ce soir. Ne perdez pas votre objectif de vue car vos efforts seront récompensés, mais ne vous y attardez pas car votre plus grande récompense est l'amour que vous contribuez à manifester dans le monde.
Félicitations, vous avez un grand cœur et cela a un impact positif sur tout ce qui vous entoure. Vous êtes un guérisseur né car vous possédez beaucoup d'amour dans votre cœur et votre énergie d'amour est ressentie par le plus grand nombre sur la terre. Vos anges et vos guides veulent que vous sachiez que votre amour est inestimable en ce moment pour la terre et pour votre entourage. Ils comprennent que parfois vous avez l'impression que votre travail n'est pas remarqué, que vous vous demandez peut-être s'il a un effet ou non. Même si vous ne voyez pas toujours les résultats positifs que votre amour et vos encouragements ont sur les autres, s'il vous plaît, soyez assurés de leurs bienfaits. Chaque fois que vous offrez de l'amour aux autres, que ce soit à travers un geste, une pensée ou un mot, vous plantez la graine de l'amour dans cette personne. Libre à elle de la laisser dormir pendant un moment ou de la faire pousser. Le rythme de chacun est unique, mais rassurez-vous que chaque chose que vous faites a un effet. Qu'il soit visible ou non, l'amour appelle l'amour. Ayez confiance, enfant chéri, ayez confiance en l'amour que nous avons pour vous et en l'amour que vous avez pour les autres. Vous allez recevoir un message positif dans les jours à venir de la part de quelqu'un que vous avez aidé récemment. Prenez cela comme la confirmation la plus irréfutable de ce que nous avons dit et souvenez-vous-en la prochaine fois que vous douterez de vous-même. Waouh. Alors ça, c'est un magnifique message que l'on vous adresse ce soir. Un très très magnifique message. J'aime bien cet oracle. Oracle de l'amour universel. Donc, petit message à bien enregistrer. Alors, pour ma part, et eh bien comme d'habitude, hein, je vous ai préparé de très jolis thèmes, hein, pour ce soir. Et là, on va prendre le premier thème de votre soirée. J'avais envie de vous parler de l'histoire de l'aigle. L'aigle vit plus longtemps que les autres oiseaux de son espèce. Savez-vous que l'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans? Alors ça, j'aurais jamais imaginé. Mais pour atteindre cet âge, il doit prendre une décision très difficile. Quand il atteint un peu plus de 40 ans, il ne peut plus utiliser ses longues serres pour attraper ses proies. Son bec devient courbé, recourbé. Ses vieilles et pesantes ailes deviennent difficiles à déployer. L'aigle est alors confronté, pardon, à deux choix. Mourir ou entreprendre un long procédé de changement qui durera 150 jours. 150 jours. L'aigle doit se rendre sur le sommet d'une montagne et s'y asseoir. Ensuite, il va frapper son vieux bec sur un rocher pour le casser et s'en débarrasser. Après s'être débarrassé de son bec, l'aigle attend qu'un nouveau repousse et fait la même chose pour ses serres. Après que ses nouveaux serres auront repoussé, il fera la même chose avec ses vieilles plumes. Et après 5 mois, l'aigle prend son glorieux envol de renaissance et vit pour 30 années de plus. Pourquoi faut-il changer? Souvent, pour survivre, nous devons entamer un processus de changement. Nous devons nous débarrasser de nos vieilles mémoires, habitudes et manies. C'est seulement quand nous pouvons nous débarrasser de ces fardeaux que nous pouvons commencer à profiter du présent.
L'aigle est capable de s'élever au-dessus des nuages et de fixer le soleil, et universellement considéré comme un symbole à la fois céleste et solaire, les deux aspects pouvant d'ailleurs se confondre. Le roi des oiseaux, il contourne le symbolisme général de ceux-ci, qui est celui des anges, des états spirituels supérieurs. Il est, dans l'antiquité classique, l'oiseau de Zeus, à qui il lui arrive même de s'identifier. Son rôle de roi du ciel est également explicite chez les chamans sibériens. Son identification au soleil, source et rayonnement de la lumière, est essentielle pour les Amérindiens. On continuera l'histoire de l'aigle tout ailleurs, car là nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, comment allez-vous? Bonsoir, comment allez-vous? Moi je vais bien, merci. Très bien, dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? D'abord j'aurais une question par rapport à mes énergies, s'il vous plaît. Oui. Alors, on va tout de suite penser à vous. Alors, je vais déjà me permettre de mettre un peu de vos énergies dans le jeu, que toutes les cartes vous appartiennent. Ici et maintenant. Voilà. Alors, vous allez penser à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, au niveau énergétique pour vous ce soir, mais ça remonte, vous reprenez le contrôle. Regardez la carte du contrôle et les énergies qui remontent. D'accord. Vous vous sentez encore un petit peu faible là actuellement? Un petit peu, oui. Ah, il y a la transformation qui est en train de se faire. Puis aussi, vous êtes en train de travailler aussi au niveau spirituel, hein? Oui. Ouais. Il y a une grande ouverture qui est en train de se faire actuellement pour vous. Il y a la carte, hein, de l'introspection. Grand travail aussi, hein, au niveau de cette ouverture spirituelle. Mais vos énergies remontent, moi je m'inquiète pas, vous avez la carte de la plénitude. D'accord. D'accord? D'accord. Est-ce que vous auriez une autre ou d'autres questions? Oui, j'ai une question concernant la personne de 93. Oui. Je voulais savoir si il m'avait pris en photo à mon insu. Alors, on va regarder ça. Pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Pour moi, lui, non. 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 D'accord. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui, je voulais savoir si, parce que je connais certains de ses collègues, et je voulais savoir suite à notre rupture, s'il avait dit ben, beaucoup de méchantes choses sur moi, s'il m'avait bien critiqué en fait après. Alors, on va regarder ça. Pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, qu'est-ce que ça dit?
Alors moi, le jeu me dit que vous n'avez pas de soucis à vous faire de ce côté-là. C'est vrai que il avait comme un nœud, comme on m'explique, comme un nœud dans la gorge, qu'il allait cracher, comme on dit, cracher son venin de colère, de rage. Mais on me dit qu'il a réussi à ravaler, si vous voulez, à ravaler cette colère. Il n'a pas extériorisé, il a pas, il vous a pas critiqué. À l'intérieur de lui, il y avait l'envie de salir, de critiquer, mais c'est pas sorti. Il l'a ravalé. D'accord? Et moi, de mon côté, j'ai dit quelques trucs, mais bon, pas énormément, quoi. Et je Ouais. voulais savoir si vous pensez qu'on lui a répété. Alors, est-ce qu'on a répété? Je l'ai traité de psychopathe, en fait. C'est sympa. Je voulais savoir si on lui avait répété, voilà. Alors, un stop quand vous le désirez. Top. Alors, comme on me dit, c'est secret, c'est garder secret. Ah, c'est gardé ce qu'on lui a pas dit. Non. D'accord. Bon, écoutez, Non. ça va alors. Voilà. D'accord. Bon, ça fait bien. Ok. Et puis, je voulais savoir autre chose. Est-ce que j'ai rendez-vous avec la personne qui commence par M demain? Oui. Je suis pas tout à fait sûre que son prénom s'écrive comme ça, mais à peu près. C'est dans ce genre-là. Et c'est quelqu'un que j'ai trouvé extrêmement désagréable. C'est pour des papiers administratifs. Et je voulais D'accord. savoir ben, si demain, je vais à nouveau le trouver extrêmement désagréable. Enfin, est-ce qu'il va me faire des remarques désobligeantes parce qu'il s'était permis de faire ça et voilà, Oula. il a pas à faire ce genre de remarques. Je voulais savoir si ça allait se passer la même chose que la fois précédente. Alors, pensez à la question et de nouveau un stop quand vous le désirez. Top. Alors, tiens donc. Il a ravalé sa langue cette fois dans sa bouche. La réunion de demain ou le rendez-vous de demain va être beaucoup, beaucoup plus sage. C'est vrai? Ouais. Ouais, Super. ça va être beaucoup plus sage. Là, on me montre justement que c'est marrant. À l'intérieur de lui, il culpabilise par rapport à... Il y a la carte de la culpabilité qui est sortie. Et puis, comme D'accord. on me montre hein, dans le jeu, ben, ça va être beaucoup plus calme. D'accord. Oui, mais voilà, j'ai des papiers à lui donner, puis qu'il fasse pas de commentaires, c'est tout ce que je lui demande. Voilà. La banalité. Ouais. D'accord. Ouais, donc peut-être qu'il D'accord. va prendre les papiers, puis merci, au revoir, quoi. Voilà. Ouais, c'est tout Tranquillou. ce que je lui demande. Je n'en demande pas Exactement. plus. Voilà. D'accord. D'accord. Et Christelle, vous m'aviez parlé précédemment d'un jeu qui s'appelle les maisons familiales, je crois. Ou... Enfin, c'était quelque chose, vous m'avez dit, qui révélait des blocages. C'est un jeu qu'on pouvait voir, justement, les blocages qu'on pouvait avoir. Que, que. Ah Il y avait quelque chose oui. de...
les mémoires. Les mémoires, les maisons, Oui, les oui, mémoires, oui, voilà. oui. Oui. On peut voir, on peut faire le nécessaire, bien sûr. Bien sûr, on peut regarder ça. Alors, les blessures que vous portez en vous. Alors, on va aller voir ça. Alors là, j'ai bien mis votre énergie. Alors, j'aurai besoin du mot stop une seule fois, quand vous le désirez. D'accord. Stop. Ensuite, on va aller voir d'où viennent ces blessures. Là aussi, je vais mettre votre énergie. Et là Stop. aussi, j'ai besoin d'un stop quand vous le désirez. Ah, d'accord. Stop. Et puis, comment est-ce que le processus de guérison? Alors, là aussi, j'ai mis votre énergie à l'intérieur des cartes et un stop quand vous le désirez. Stop. Ok, alors on va voir ce que ça donne au niveau de la blessure. Alors il y a une blessure, je sais pas, je vais essayer de faire en sorte que ça brille le moins possible. Voilà. Voilà, la blessure, c'est une blessure de culpabilité. D'accord. Une blessure de culpabilité hein, qui est à l'intérieur de vous, qui ne vous appartient pas. Hein, n'oubliez pas, hein, on porte des blessures qui ne nous appartiennent pas, hein, qui peuvent venir soit des vies antérieures, soit d'un personnage, d'une personne de notre entourage. Hein. Donc cette D'accord. blessure de culpabilité, on va pouvoir la guérir grâce à... Oula, ça brille. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas que ça brille trop et que vous puissiez... Là, ça brille. Elle Là, je brille, vois un ces peu cartes. mieux. Oui, là, je vois mieux. Oui. Voilà. La gratitude. D'accord. La gratitude vis-à-vis de qui? Alors là aussi, j'essaye. Là. Vis-à-vis de vous, vous vous oubliez complètement. Vous voyez, c'est la carte du moi. D'accord. Donc c'est vous, ça parle de vous. D'accord? D'accord. Donc il Vous faut que je avez me remercie besoin tous de... les jours. Vous... Oui, mais oui, vous avez besoin de D'accord. gratitude. Vous avez besoin de gratitude, que l'on vous dise merci, que vous vous disiez aussi à vous-même merci. Merci de ce que j'ai déjà traversé, merci de ce que j'ai déjà vécu, merci de ce que j'ai déjà pu apporter. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très, très important.
D'accord. J'espère que ça a pu vous aider. Oui, c'est parlant. D'accord. Extra, extra. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Je ne sais pas si on a le temps de faire un autre tirage, mais si vraiment on a le temps. Dites-moi, qu'est-ce qui vous parlerait? J'aime beaucoup les missions de vie. L'émission de C'est vie. mes cartes Alors. préférées. Alors, est-ce que mes missions de vie sont par ici? Et hop là. Elles sont par là, bien sûr. Alors, les missions de vie. Alors là, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu. Que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Mes oiseaux qui ont décidé d'être réveillés ce soir. Ouais, c'est très joli à entendre. Ah, c'est chouette. Alors, je dépose les cartes les unes après les autres et le stop quand vous le désirez. Stop. Ah, je suis contente. Elle est belle cette carte. Vrai? Alors, est-ce que ça brille ou est-ce que ça brille pas? Succès et Succès abondance. abondant. D'accord. C'est beau, Prêt? non? Ah, j'aime bien. Alors. Là, je suis obligée de prendre mes deuxièmes yeux parce que c'est écrit tellement petit. Alors, tes guides te disent bien, je m'excuse, hein, mais je me permets de vous tutoyer pour vous donner la réponse. Je vous en prie. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends, car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout, tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Et la date, roulement de tambour, la saison prochaine. Tes guides te disent bien que tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses pour ta vie professionnelle et que tu as dépassé tes peurs. Tu as beaucoup progressé vers la réalisation de tes projets, car on te dit bien que beaucoup de choses arrivent pour la saison prochaine. Tu vas devoir te montrer engagé et surtout déterminé, mais cela en vaut la peine car la saison prochaine t'apportera une vraie révélation sur toi-même. Une concrétisation est là et des résultats positifs à ce que tu as déjà mis en place vont arriver lors de la prochaine saison. Tu dois continuer ton engagement actuel et surtout tu dois rester motivé. La réussite que tu attends est bientôt là. D'accord. Waouh! Ok. Donc C'est ce sera top! l'hiver.
C'est trop top. D'accord. Très bien. Ça joue. C'est une belle carte. Oui, c'est une très belle carte. Ah bah oui. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai pu vous aider? Oui, oui, oui. Vraiment. Magnifique. Merci infiniment. Avec grand plaisir. À bientôt, Christelle. Prenez bien soin de vous. Merci, vous aussi. Bonne soirée. Une belle fin de soirée à vous. Merci beaucoup, Christelle. Au revoir. Au revoir, au revoir. 0-901-901-993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez une consultation. Et regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Comment mieux connaître nos consultants et nos consultantes? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et consultantes à votre disposition. Donc, n'hésitez surtout pas. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021-694-2400. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, moi, je vais continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Donc, on était avec notre bel aigle, le roi des oiseaux. Il contourne le symbolisme général de ceci, qui est celui des anges, des états spirituels supérieurs. Il est, dans l'Antiquité classique, l'oiseau de Zeus, à qui il lui arrive même de s'identifier. Son rôle de roi du ciel est également explicite chez les chamans sibériens. Son identification au soleil, source et rayonnement de la lumière, est essentielle pour les Amérindiens, qui, portant des plumes d'aigle, s'identifient à ce rayonnement. Les plumes et le sifflet en os d'aigle sont utilisés dans la danse qui regarde le soleil. Même identification chez les Aztèques et aussi au Japon, le kami, dont le messager ou le support est un aigle et dénommé aigle du céleste soleil. En Grèce, les aigles partis de l'extrémité du monde sont dits s'arrêter à la verticale de l'Ophalos de Delphes. Ils suivent ainsi la trajectoire du soleil, du lever au zénith qui coïncide avec l'axe du monde. L'aigle fixant le soleil, c'est aussi le symbole de la perception directe de la lumière intellective. Angelus Silesius a écrit « L'aigle regarde sans crainte le soleil en face, et toi l'éclat éternel, si ton cœur est pur ». Symbolisme de contemplation auquel se rattache l'attribution de l'aigle à Saint Jean et à son évangile, certaines œuvres d'art du Moyen-Âge l'identifient au Christ lui-même, dont il signifie l'ascension et parfois la royauté. Cette seconde interprétation est une transposition du symbole romain de l'Empire. Les psaumes en font un symbole de régénération spirituelle, comme le phénix. Voilà pour notre ami l'aigle. J'espère que vous en savez plus, et au niveau spirituel, surtout sur l'ouverture à la spiritualité avec notre cher oiseau, l'aigle. Alors, puisque nous sommes à travers justement l'aigle, nous allons pouvoir parler de votre signe astrologique amérindien. Mais oui, parce que ça aussi, ça compte. Bien sûr que ça compte. Le signe astrologique amérindien. Ça,
En d'autres termes, il est question des signes astrologiques des tribus amérindiennes. Semblables à l'horoscope grec que nous utilisons aujourd'hui, les Amérindiens croient que le moment où la personne est née affecte inévitablement son caractère. Les signes astrologiques amérindiens, également connus sous le nom de signes du zodiaque amérindien ou signes totems, sont un système de croyances traditionnelles des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Ils diffèrent considérablement du système d'astrologie occidentale largement connu. Les signes astrologiques amérindiens sont basés sur l'observation de la nature, des animaux, des plantes, des éléments, et sont associés à des qualités et à des caractéristiques spécifiques. Les origines de ces signes remontent aux nombreuses tribus et nations autochtones qui peuplaient l'Amérique du Nord. Chacune de ces cultures avait ses propres croyances et pratiques liées aux signes astrologiques amérindiens. Il existe donc de nombreuses variantes de ce système. Ces signes totems sont souvent associés aux animaux, aux éléments naturels ou même aux saisons. Par exemple, le loup, l'ours, l'aigle, le cerf et bien d'autres sont des signes couramment utilisés. Chaque signe possède des traits de personnalité, des forces, des faiblesses et des significations symboliques qui sont censées refléter les caractéristiques des individus nés sous leur signe. Tout comme dans l'horoscope moderne, l'horoscope des tribus amérindiennes représente donc aussi les animaux. Nous avons ici une liste des animaux et de leurs caractéristiques pour vous que nous vous avons triées par mois. Donc, nous allons aller voir le premier signe de cet horoscope amérindien, puisqu'il s'agit du signe du 20 juillet au 18 février, qui est la loutre. Et oui, pour beaucoup de gens, la loutre est un défi, car elle est très indépendante et a sa propre manière de faire les choses. Mais ses méthodes peu conventionnelles l'amènent toujours au but. Sa perspective inhabituelle donne à la loutre la capacité d'identifier des choses particulièrement imaginatives et intelligentes. Par conséquent, la loutre voit souvent, grâce à son imagination intuitive et ingénieuse, des solutions qui restent cachées aux autres. Parfois, elle joue la solitaire et à ce moment-là, elle est méchante et rebelle. Mais si tu cherches un vrai ami, alors cherche une personne qui est née sous le signe de la loutre, parce que les loutres sont des gens très attentifs, serviable, compréhensif, courageux et honnête. Du 19 février au 20 mars, c'est le loup. Le loup, la légende du loup blanc, la passion et les émotions sont les caractéristiques du loup. Ces signes amérindiens se consacrent au cœur et à la philosophie. Le loup comprend les besoins émotionnels de ses semblables et leur offre son amour. En même temps, le loup est le signe astrologique le plus indépendant. Dans sa quête d'une véritable indépendance, l'amour et la tendresse ne constituent pas une contradiction pour lui. Le loup est implacable et obsessif dans certaines circonstances. De plus, il aime bien son statut de loup solitaire, mais quand il est question de sa famille, il est plein de passion et prêt à tout donner. Du 21 mars au 19 avril, le faucon. Le faucon est un leader par nature. Son esprit vif lui permet de prendre la bonne décision, même dans les situations les plus tendues. Toujours pragmatique, ce signe astrologique ne perd pas de temps et poursuit inébranlablement son objectif. L'ambition caractérise le faucon et c'est pour ça qu'il utilise toutes les occasions. Sur certaines circonstances, le faucon manque de patience. À ce moment-là, il peut être grossier et apparaître vaniteux et sensible. Le faucon défend toujours son avis. Aucun autre signe astrologique amérindien est aussi puissant que celui du faucon.
Signe astrologique du 20 avril au 20 mai, le castor. Ah, le castor aime prendre la responsabilité, mais il est également très flexible et peut facilement s'adapter à chaque situation. Toujours affairé, l'efficacité est la chose la plus importante pour le castor. Avec ses traits de caractère, le castor fait son travail. Malheureusement, les castors ont parfois la tendance d'être têtus lorsque les choses ne se déroulent pas comme ils veulent. Néanmoins, les castors sont fidèles, compatissants, serviables et généreux. Si tu es né sous ce signe astrologique, tu vas tout réussir car tu es une personne intelligente qui, grâce à son esprit vif, ne devrait pas être sous-estimée. Du 21 mai au 20 juin, le cerf. Le cerf représente l'esprit créatif de la mythologie des Amérindiens. Imaginatif et inspiré, le cerf a aussi un grand sens de l'humour et fait presque rire tout le monde. En tant que cerf, tu es vraiment aimable et tu es souvent au centre de l'attention, au fait. La conscience environnementale est également l'une des caractéristiques du cerf et typiquement ceux qui sont nés sous ce signe sont très pointilleux car il est question de leur apparence. Par conséquent, le cerf paraît parfois un peu lunatique ou même paresseux. Mais grâce à sa tendance à être extrêmement vif, le cerf est une source d'inspiration dans les relations et aime bien aider les autres. Signe astrologique du 21 juin au 21 juillet, le pic. Le pic est un protecteur et a toujours une oreille ouverte pour les autres. Les personnes nées sous ce signe sont compatissantes et compréhensives. Aucun autre signe s'engage plus pour ses semblables. Les pics sont des parents adorables, des amis incroyables et de très bons associés. Leur sens de l'économie développé et équilibré par leur talent et en organisation, car on peut vraiment faire confiance au pic. Le pic peut être très possessif et il est donc souvent jaloux, mais il est toujours ouvert à une idylle. En raison de sa forte personnalité, qui est exprimée à travers sa sollicitude, le pic montre une grande empathie et un engagement dévoué. Du 22 juillet au 21 août, le saumon. La créativité est un point fort. Si tu es né sous le signe du saumon, les saumons travaillent de manière très concentrée, sont réceptifs à l'intuition et sont incroyables énergie. En tant que saumon, tu es confiant et tu adores motiver les autres. Ton enthousiasme est presque sans limite et vraiment contagieux. Grâce à ton intelligence et à ta générosité, tu as beaucoup d'amis. Dans certaines circonstances, les saumons peuvent en effet être vulgaires, égocentriques et inhibés. Dans les relations, par contre, ils sont généreux, calmes, stables et sensuels. Motivé par ton désir d'atteindre le but de ta destinée, tu n'as aucune difficulté à trouver des compagnons qui te soutiennent sur ton chemin. Signe astrologique du 22 août au 21 septembre, l'ours. L'ours, à agir de manière pragmatique est la caractéristique de l'ours. Tes amis se retournent vers toi quand ils ont besoin de quelqu'un qui a les idées claires, car l'objectivité est un autre trait de caractère des personnes nées sous ce signe. Par conséquent, les ours, qui peuvent être aussi très généreux, ont tendance de s'unir avec les gens sous le signe de la chouette. La modestie est le style d'un ours qui dérive parfois en timidité. Dans certaines situations, les ours peuvent également être sceptiques, paresseux et réservés. Mais dans la plupart des cas, les ours offrent un amour absolu à leurs semblables, sans perdre leur patience et leur tempérance. Pour cette raison, les ours sont également des professeurs idéaux et des personnes de référence fiables pour ceux qu'ils enseignent. Du 22 septembre au 22 octobre, le corbeau.
Les corbeaux ont un amour naturel pour toutes sortes d'activités et savent convaincre avec leur charme. Car en tant que corbeau, tu as une énergie agréable en réalisant tes idées. Dans certaines circonstances, le corbeau peut aussi paraître égoïste et inconséquent parce qu'il a une mauvaise approche envers d'autres personnes. Mais en tant que corbeau, tu es surtout un grand idéaliste qui inspire les gens. Ils sont aussi très sociables et romantiques, en particulier dans les relations. Le corbeau est très attentif, intuitif et patient. Signe astrologique du 23 octobre au 22 novembre. Psst, le serpent. Étroitement lié au monde spirituel, le serpent est le signe traditionnel du chaman. Leur connexion au monde spirituel est la raison pour laquelle les gens qui sont nés sous ce signe peuvent facilement s'identifier avec le divin. La guérison est un don naturel du serpent. Si tu es né sous ces signes, tu peux en déduire que tu vas accomplir de grandes choses dans le domaine de la médecine. En conséquence, dans cette connexion avec le monde spirituel, les gens peuvent parfois te percevoir comme mystérieux ou incroyablement stable. Tu as tendance à avoir des secrets et d'être obscur. Pourtant, les gens de ce signe peuvent aussi être très attentifs et sensibles. Dans la plupart des situations, le serpent est très humoriste, serviable et inspirant. Du 23 novembre au 21 décembre, la chouette. L'horoscope amérindien n'a aucun signe astrologique qui est aussi varié que celui de la chouette. Si tu es né sous ces signes, alors tu as le contrôle absolu sur ta vie et un fait pour l'exploration et l'aventure. Cela peut aussi être dangereux parce que la chouette tend à l'insouciance et à l'arrogance. Dans les situations difficiles, elle peut aussi rapidement devenir agressive. Dans des bonnes relations, la chouette a une personnalité incroyable et est en même temps sensible et attentive. Les personnes de ce signe ont tendance à s'engager dans des domaines des arts, de la protection de l'environnement, grâce à leur capacité à s'adapter rapidement et à de nouvelles situations. Toutes les portes leur sont ouvertes. Signe astrologique du 22 décembre au 19 janvier, loi. La persévérance et la ténacité sont les caractéristiques de ce signe astrologique. Si tu es né sous le signe de loi, alors tes amis savent vers qui se tourner quand il est question d'agir, parce que pour loi, l'ambition est la qualité grâce à laquelle elle atteint chaque objectif. Le désir de réussir provoque de son esprit, car aucune force étrangère impose à loi de réaliser quelque chose. La motivation et l'endurance gardent à loi à jour. Comme moi, tu as tes points forts, en particulier dans les activités professionnelles et physiques. Rien ne peut t'arrêter et surtout quand tu sais que tu peux compter sur l'aide de ta famille et de tes amis. Dans une bonne relation, loi peut être bien aimable, passionnée et sensuelle. Voilà pour ce qui est des signes astrologiques amérindiens. Donc, j'espère que ça a pu aussi vous aiguiller hein, sur votre chemin personnel. Mais là, tout de suite maintenant, on va laisser passer à la deuxième page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement au bas de votre écran. Donc n'hésitez pas à faire appel hein, à cette équipe formidable. N'hésitez pas à faire connaissance aussi. Hein. Comment faire connaissance? Eh bien, pourquoi pas essayer de composer ce chiffre 3? Et là, vous allez faire connaissance avec un ou une de nos consultants et consultantes actuellement connectées pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie.
Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, hein, ce qui est aussi quelque chose d'important pour vous, hein, puisque c'est un cadeau que TVM3 vous fait, hein, cette participation au petit concours, un concours avec lequel vous allez pouvoir l'activer soit à travers votre portable, votre Natel, où là il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Et là, le petit concours est activé. Ou alors, si vous ne possédez ni portable, ni Natel, un petit bout de papier, une enveloppe, ça à la maison, on trouve toujours. Sur le petit bout de papier, vous notifiez simplement votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Équiblan. Alors, activez ce petit concours parce qu'il est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christelle. Mais bonsoir, comment ça Bien, puis vous? va? Oui, ça va, merci. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Pour voir l'énergie. Les énergies, oui. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. Merci. Alors, au niveau énergétique, il y a un changement qui arrive là actuellement pour vous, hein? Voilà, c'est beau ça. Regardez-moi ça, c'est joli. Regardez, vous êtes en plein dans le changement énergétique là actuellement. Vous avez le grand soleil qui arrive au niveau de vos énergies. Donc c'est magnifique. Ah Vous êtes ouais. là? Oui. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Extra. Est-ce que vous aimeriez savoir autre chose? Et puis un autre tirage là sur de là. L'au-delà. Oui. Les messages de l'au-delà. D'accord. Oui. Avec plaisir. Alors là aussi, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà. Alors là, j'aurai besoin de quatre fois le mot stop, quand vous le désirez. On est parti. Une fois. Deux. Trois. Et stop. Et quatre. Puis je vais vous prendre aussi le petit message du petit oracle que vous allez pouvoir retrouver dans notre boutique, hein, le petit oracle de l'au-delà. Là aussi, on va vous prendre un petit message juste pour vous ce soir. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. Merci. Alors, on va pouvoir ranger les autres petites cartes. On n'en a plus besoin. Alors, la petite carte que vous avez tirée ce soir dit ceci, votre message.
Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. Une bonne nuit. Ensuite, les quatre messages qui sont sortis pour vous ce soir. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert et que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Ça, c'est le premier message. Deuxième message. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix. La paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, eh bien, j'y suis arrivée. Troisième message. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Et le dernier petit message, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, eh bien oui, je suis là, dans ces moments-là. Comprends mon message, cela signifie que je t'appuie en ce moment. Donc les heures miroirs, hein, comme 11h11 ou 22h22 ou 13h13, ça ce sont des heures miroirs. 10h10, donc quand vous regardez votre horloge ou votre montre et puis que vous tombez sur ces heures miroirs, ben, ça veut dire que la personne elle est là, elle est à côté de vous. D'accord? Oui. Et puis encore ça sur un violette. Vous voulez la flamme violette, c'est ça? Oui. Alors, je vais vous mettre sous la flamme violette. Hein? Alors, je vais vous notifier. Alors, je ferai la flamme violette après l'émission, hein, ce soir. D'accord? Oui. Bon, bonne soirée. Mais une belle soirée à vous aussi. Prenez bien soin de vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Et je vous ai préparé un petit thème, un petit exercice qu'il faut faire en général le matin pour pouvoir accompagner votre corps dans la lumière. Parce que c'est vrai qu'on est dans une période actuellement hein, où les jours se raccourcissent, hein, ce qui est naturel, ce qui est tout à fait normal, mais pour notre esprit, cela est un peu plus compliqué, ce manque de luminosité. Et ça devient peut-être pesant chez certaines personnes, surtout sur les personnes qui sont très empathiques, qui sont dans cette ouverture hein, à la spiritualité. C'est vrai que ces jours qui raccourcissent, eh bien, c'est du lourd quand même. Alors, je vais vous démontrer un petit exercice qui va vous permettre, en l'espace de 5 petites minutes, donc juste programmer sur votre temps le matin avant d'aller travailler, prévoyez 5 minutes juste pour vous, pour votre bien-être, pour que vous soyez au top. Donc,
je vous explique comment on va envahir notre corps de lumière en 5 minutes. Vivre en harmonie avec qui vous êtes est possible. En vous se trouve une lumière sacrée et paisible. Elle peut parfois vous guider et éclairer votre chemin de vie. En étant en contact avec elle, vous apprenez à l'écouter, la suivre et à l'aimer. À chaque pas, elle vous inspire et vous guide avec légèreté et joie dans votre vie. Gardez le cap et dites-lui oui. Laissez la lumière envahir votre corps. Le matin, au réveil, respirez profondément et sentez en vous cette énergie de vie emplie de lumière. Prenez quelques secondes pour sentir au-dessus de vous une bulle de lumière dorée et colorée. Peu à peu, elle descend et touche votre crâne et l'inonde de lumière. Sentez sa chaleur. Votre mâchoire et votre visage se détendent. Sentez et visualisez cette lumière envahir votre corps, les épaules, les bras et les mains sont inondés de lumière. Elle vous réchauffe et vous apaise. Elle vous guérit et vous soigne. Sentez-la parcourir votre peau et vos tissus. Sentez-la envahir votre poitrine, purifier vos poumons. Lorsqu'elle envahit votre cœur, sentez sa douceur, son harmonie avec la vie. Puis, visualisez-la parcourir votre foie, votre estomac et vos intestins. Elle vous aide à digérer et à éliminer ce que votre corps rejette. Puis, laissez-la parcourir la lumière au sein de votre bassin, siège de vos émotions. Détendez-vous et respirez profondément. Votre corps vit et respire à votre propre rythme. Puis, laissez la lumière parcourir vos cuisses, vos mollets et vos pieds. Prenez le temps d'imaginer un espace en vous tranquille, apaisé et empli d'amour. Imaginez que vous naviguez sur l'océan. Vous ne connaissez pas la destination finale. Vous êtes parfois apeuré, effrayé de l'endroit où vous allez arriver. Mais en vous, cette lumière vous guide et vous apaise, tout simplement. Elle est là pour vous. À chaque période de votre vie, elle vous accompagne et vous renforce quand vous en avez besoin. Cette lumière reste et vous protège plus que vous ne le pensez aujourd'hui. Puis, répétez-vous, je m'aime comme je suis. Respirez profondément et dites-lui oui, oui à la vie, oui à l'acceptation, oui à l'amour. Vous êtes un être merveilleux et profond. Parfois, vous vous sentez perdu, frustré de ne pas développer cette pleine conscience de vie et de lumière en vous. Prenez le temps d'aimer votre vie actuelle et surtout le chemin parcouru. Vous êtes un être en évolution. Pas à pas, vous apprenez qui vous êtes. Rapprochez-vous de votre être idéal. Notez ce que vous aimeriez être. Puis finissez votre dessin par « Je m'aime comme je suis ». Apprenez à vous aimer tel que vous êtes, avec ou sans cheveux, avec ou sans travail, avec ou sans kilos superflus, avec ou sans muscles.
Aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes de véritables êtres de lumière. Et ce petit exercice de vous imaginer cette lumière dorée qui arrive hein, depuis en haut et qui descend sur votre crâne et qui descend, bien la ressentir dans tout votre corps. Prends juste 5 minutes chaque matin pour que vous imprégniez cette lumière dorée à l'intérieur de vous. Et juste vous dire, je m'aime comme je suis. Je m'aime tel que je suis. Aujourd'hui, je passe une belle journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux. Merci pour cette action. Tout simplement. Donc, si vous désirez réentendre, réécouter ces petits conseils, sachez que l'émission de ce soir est toujours rediffusée le lendemain entre midi et 14h. Et lors de cette rediffusion aussi, sachez que au bas de votre écran, eh bien, vous allez aussi avoir des consultants et des consultantes. Mais ce sera les consultants et les consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14h que vous allez pouvoir retrouver au bas de l'écran. Donc ça aussi, c'est un petit plus pour vous. Donc n'hésitez pas à revoir hein, l'émission, à réécouter comment faire imprégner cette lumière dorée à l'intérieur de vous avant d'aller à vos occupations journalières. Hein, et bien juste avant, ça prend 5 petites minutes. 5 petites minutes où on va inspirer, expirer, on va juste s'imaginer cette lumière dorée qui va nous envahir et qui va nous permettre de passer une très agréable journée et de rencontrer justement des gens merveilleux sur votre chemin de vie. Voilà, on va encore vous aider, hein. Ouais, moi j'adore ça, hein. Avec la lithothérapie, hein, puisqu'on en a passablement dans notre boutique, hein. Allez justement retrouver les pierres dont je vais vous parler là, ici et maintenant, c'est 7 pierres, parce que je vais vous dénommer 7 pierres, et bien ces 7 pierres, vous allez pouvoir les retrouver dans notre boutique sous différents aspects, soit le petit collier, soit le bracelet, soit la bague. Regardez bien à l'intérieur de notre boutique, ces 7 pierres sont là pour vous aider. Donc je vais vous parler des 7 pierres pour aider les empathes à gérer les énergies intenses qui viennent de partout. C'est vrai qu'actuellement on a des énergies très intenses qui arrivent de partout, et pour les personnes qui sont dans l'empathie, dans l'étaouterie, eh bien ça bouscule un peu. Eh bien, pour pouvoir nous aider, on va demander l'aide justement des pierres. Hein. Donc la première pierre, il s'agit de l'améthyste que vous allez trouver en haut à gauche. Hein. Pardon, on va aller de gauche à droite, hein, comme ça, retrouver ces 7 pierres. Donc la première est l'améthyste, cette pierre possède des pouvoirs protecteurs et agit en bloquant les vibrations. Alors, on va parler de ces 7 pierres tout à l'heure, puisque nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, j'aimerais savoir mon avenir professionnel, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si je reste où je suis ou si je pars. D'accord. Alors, je mets déjà votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà, vous allez penser à votre question et un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Merci. Alors moi je vous dis que vous allez partir. D'accord.
Il y a une porte qui se ferme pour qu'une autre s'ouvre pour vous. Vous savez ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Il y a la carte de l'achèvement, hein. Donc l'achèvement est là. Vous savez ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Vous ne vous trompez pas. Il y a bien quelque chose d'autre qui arrive pour vous et qui va arriver très prochainement. Vous en parlez un petit peu autour de vous, que vous cherchez quelque chose. Oui, bien sûr, oui. Et c'est pour ça que... Mais on me dit que c'est... Oui, on me dit dites-moi. Que c'est compliqué, que c'est difficile, que voilà. Que c'est un moment, que voilà. Alors, c'est pas compliqué. Vous avez sur votre chemin... au niveau professionnel, hein, la plénitude et la fête. Donc, pour moi, vous allez trouver quelque chose rapidement. D'accord. C'est pas compliqué. C'est ouais, la période pour trouver du travail, c'est vrai que des fois, c'est pas si évident. Parce qu'on arrive justement dans cette période de fête, de fin d'année. Donc, on se dit, voilà, les bureaux vont fermer jusqu'à l'année prochaine. C'est vrai que c'est pas vraiment la bonne période. Mais comme on me dit, vous allez trouver du travail et du travail qui sera pour vous, pour votre bien-être. Parce que là où vous êtes actuellement, ça ne correspond plus à vos énergies. Ça ne correspond plus du tout exactement. À vos énergies. Non. Non, plus non. du tout. Donc, gardez confiance. Vous avez la carte de la confiance. Vraiment, d'accord. Gardez confiance. Un nouveau travail arrive pour vous. C'est vrai que dans l'espace-temps, nous, on ne peut pas quantifier l'espace-temps. Ben ça, c'est très, très compliqué pour nous. Mais ce qu'on me dit, c'est que ce nouveau travail, il arrive pour vous et il arrive rapidement. C'est peut-être pas pour la fin de l'année, peut-être peut-être le début de l'année prochaine. Vu qu'il y a ces périodes de fête hein, où les bureaux et tout ça vont fermer, moi je ressens plus ça pour après justement. Après le début de l'année prochaine, vous allez pouvoir trouver le travail qui vous convient. D'accord. D'accord ? D'accord, oui. Gardez confiance. D'accord, oui. D'accord. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Mais sinon, s'il vous plaît. Oui. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, au niveau financier... Alors, nouvelle vision des choses. Alors, on me dit qu'il y a une rentrée d'argent qui risque d'arriver à partir de l'année prochaine. Moi, je me demande s'il n'y a pas, par rapport à votre changement professionnel, aussi le salaire qui va changer. Ouais. Ça, c'est fort possible parce qu'on me dit qu'il y a une rentrée supplémentaire. Donc, à mon avis, par rapport à votre changement professionnel, le salaire va changer aussi de ce côté-là. D'accord ? Eh bien, c'est bien. Oui, d'accord. Mais c'est que pur bonheur. Oui. Ah. J'ai passé de bonnes fêtes de fin d'année. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous ? Non, ce sera tout, merci. Mais avec grand plaisir. Non, ce sera tout. Alors, bonne soirée. Belle soirée à vous aussi. Pour vous aussi, prenez bien soin de vous. Merci, vous aussi. Merci. Belle fin de soirée. Et puis, au revoir. Bonne fin de soirée, merci. Au revoir. Alors,
Comme je vous le disais, on va parler justement de ces sept pierres. Oui, on a encore un petit moment pour vous en parler. Donc, je vous parlais d'abord de l'améthyste. Cette pierre possède des pouvoirs protecteurs et agit en bloquant les vibrations et les énergies qui sont de nature négative. Elle attire également l'énergie positive et améliore la conscience spirituelle. On va parler aussi de la topaze bleue qui, elle, élimine tout ce qui encombre inutilement l'esprit. Elle vous aide à prioriser en vous faisant réaliser ce qui est important. Le jade est une excellente pierre qui favorise l'équilibre. Il est particulièrement apprécié des amants car il est connu pour harmoniser les énergies qui sont de nature opposée. Le lapis-lazuli, une autre pierre de protection merveilleuse pour les empathes. Cette pierre vous aide à rester objectif et équitable, mais lorsque beaucoup d'énergie agit sur vous. Le lapis-lazuli améliore la compréhension d'une personne des gens qui l'entourent, en plus de favoriser sa croissance spirituelle. La turquoise. C'est comme une protection toute la journée contre les mauvaises pensées et les sentiments négatifs. Elle ne laisse pas les vibrations négatives des autres avoir un impact sur vous. L'unakite, cette pierre n'est pas très connue, mais elle est très puissante pour équilibrer les énergies, qu'il s'agisse des vôtres ou des énergies extérieures. Et la zoisite. Cette pierre est particulièrement importante pour les empathes qui ont du mal à fonctionner de manière créative tout en étant submergés par différentes énergies. Donc, la zoisite qui est la dernière pierre hein, que vous avez sur votre image. Donc, voilà, ça c'est les pierres pour aider toutes les personnes empathes à traverser ces énergies hein, qui nous bousculent actuellement, hein, qui nous mettent un petit peu en porte-à-faux. Donc vraiment, c'est ces sept pierres les plus importantes pour pouvoir vous aider à s'ancrer et à rester dans ici et maintenant et à se protéger aussi surtout. Donc vraiment, c'est les sept pierres les plus importantes hein, pour nous, les personnes qui sommes ouvertes à la spiritualité, je vais y arriver, hein, et qui sommes empathes. Voilà. Donc voilà pour ces sept pierres. Donc n'hésitez surtout pas hein, à participer au petit concours hein, qui est ouvert, même si l'émission va bientôt se terminer. On voit que les heures tournent hein, et même si l'émission arrive gentiment à sa fin. Participez à ce petit concours parce que c'est vous qui avez la clé. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures pour pouvoir participer hein, à ce petit concours. Participez soit à travers votre portable, votre Natel, ou là, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700, tout simplement. Et grâce à ça, ben, vous allez activer ce petit concours et pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct à l'antenne. Donc vraiment, ça vaut la peine. Allez-y, activez ce petit concours. Puis les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, ben comme vous le voyez, hein, une jolie petite carte postale ou alors papier, enveloppe sur le papier, le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Et puis sur l'enveloppe, eh bien concours TVM3. Case postale 285 1024 Écublens. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, hein, c'est les petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies qui sont toujours à tarif préférentiel, hein, elles sont toujours là pour vous aider aussi sur votre chemin de vie. Et pourquoi pas aussi en faire un petit cadeau. Mais oui, vous avez peut-être une connaissance dans votre entourage qui est en train de traverser un moment difficile. Eh bien, pourquoi pas lui offrir une de ces petites cartes prépaies?
parce que ça pourra peut-être l'aider à comprendre ce qui bloque sur son chemin de vie, à comprendre, peut-être à l'aiguiller sur son chemin de vie, parce qu'elle a deux possibilités actuellement, elle n'arrive pas à faire un choix. Eh bien, pourquoi pas offrir une de ces petites cartes prépayées, qu'elle puisse, elle, poser les questions, qu'elle puisse, elle, avancer, ou lui, hein, je dis elle parce que je parle de connaissance, à avancer sur son chemin de vie. Eh bien, pourquoi pas offrir une de ces petites cartes prépayées? Eh bien, on peut les obtenir soit tout de suite maintenant, vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors, eh bien, vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux, et là, vous composez le 021 694 24 00, et là, une charmante personne vous indiquera comment pouvoir acquérir ces petites cartes prépayées à tarif préférentiel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, n'oubliez pas que l'émission de ce soir est rediffusée demain entre midi et 14h et que lors de cette rediffusion, au bas de votre écran, vous allez avoir aussi des consultants et des consultantes, mais ce sera les consultants et les consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14h. Donc ça, c'est juste le top. Il n'y a qu'à activer votre téléviseur et vous aurez directement qui sont les consultants et consultantes connectés entre midi et 14h pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'hésitez surtout pas. Toute cette équipe qui est présente au bas de votre écran, c'est vraiment une équipe qui est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Pour ma part, eh bien, je vais pouvoir vous retrouver demain soir à partir de 19h au code PIN 222. En attendant, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et pour ma part, je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité et je vous souhaite de passer une douce nuit et de doux rêves. À très bientôt.